Les confédérations syndicales des travailleurs du Bénin sont invitées au palais de la Marina de Cotonou le mardi 26 avril 2022 pour une séance de travail avec le président de la République, Patrice Talon. C'est à travers une correspondance que le ministre d'État chargé du développement, Abdoulaye Bio Tiané, et président de la Commission nationale de la concertation, l'a notifié aux trois organisations syndicales représentatives. Selon les informations, les discussions vont tourner autour de la revalorisation des salaires et du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC. Cette annonce intervient 4 mois après que le chef de l'État béninois ait rassuré fin décembre 2021 dans son discours de nouvel an qu'il y aura en 2022 la revalorisation des salaires des travailleurs. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé la nomination d'un nouveau premier ministre dès la semaine prochaine, à la suite de la démission du chef du gouvernement, Patrick Hachi, mercredi 13 avril au cours du Conseil des ministres. Selon les informations, le chef de l'État a instruit les ministres sortants d'expédier les affaires courantes et a rendu hommage aux ministres qui ne seront pas reconduits alors que le nouveau gouvernement comptera 30 membres. Le président Ouattara a indiqué que le nouvel effectif s'inscrit dans la dynamique de renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle de réduire les dépenses de l'État. En Guinée, le cadre de concertation inclusif sera lancé le vendredi 15 avril 2022. Dans un communiqué des ministres de l'administration du territoire et de la décentralisation rendu public à la télévision le mardi 12 avril 2022, Mori Kondé informe le peuple de Guinée de la tenue de la session inaugurale du cadre inclusif le vendredi 15 avril 2022 au palais Mohamed V. Cette structure vise à répondre aux besoins pressants exprimés par la classe politique qui réclame un cadre de dialogue autour de la gestion des affaires publiques. Selon le communiqué, cette rencontre va être rehaussée de la présence des présidents du Comité national de transition, des présidents des institutions républicaines, des gouvernements, des représentants de coalitions de partis politiques, des fêtières, des organisations de la société civile. La dette du Ghana a augmenté en raison des grands projets d'infrastructure à partir de 2017. A déclaré le vice-président du Ghana, Dr Mohamadou Bawumia, s'exprimant sur l'état de l'économie ghanéenne mercredi 13 avril lors d'une conférence organisée par la Confédération nationale des étudiants du supérieur à Kassoa dans la région centrale. Le chef de l'équipe de gestion économique du pays a indiqué que tous les grands projets d'infrastructure exécutés par le gouvernement depuis 2017 ont été financés par des prêts. À l'en croire, les projets qui concernaient les domaines de la santé, des routes, des transports et de l'éducation ont contribué à l'augmentation de la dette du pays de 55,6% du produit intérieur brut PIB en 2016 à 351,78 milliards de Ghana Cedi en 2021, soit 81,1% du PIB. Au Togo, les prix des produits pétroliers ont connu une légère hausse depuis mercredi dernier, a décidé le gouvernement via un arrêté interministériel. Suite à sa récente décision de revoir à la hausse les prix des produits pétroliers, l'État a établi une nouvelle grille tarifaire pour les transports intra-urbains et interurbains des personnes et des marchandises. Selon les informations, les tarifs ajustés pour le transport interurbain des personnes, notamment à Lomé, varie entre 300 et 500 francs CFA contre 250 et 500 francs CFA avant fin mars. Les déplacements interurbains en voiture sont tarifés entre 700 et 10 000 francs CFA au départ de Lomé vers des villes de l'intérieur du pays. S'agissant des nouveaux coûts de marchandises, ils sont fixés entre 63 et 78 francs CFA pour les biens dont le rapport poids-volume n'est pas inférieur à 500 kg le mètre cube.